Salut. Hi, this is Anthony from Explore French. And in this B2 level podcast, I will talk about agriculture, sustainable development and local agricultural initiatives in France and Africa. We will practice the vocabulary related to plants, pesticides, farming, livestock farming, intensive and mechanized farming. We will learn many French idioms with names of food and animals and much more. In the first part of this podcast, I will speak French at normal speed, and in the second part, I will repeat everything I said at slow speed with some explanations in English. To make the most of this podcast, transcripts and language activities are available on my website www.explorefrench.com. Dans l'imaginaire collectif, les agriculteurs sont probablement les travailleurs les plus proches de la nature. Pourtant, l'image du travailleur manuel qui laboure ses champs et élève ses animaux à la force de ses bras est dépassée. Dans les pays occidentaux, le travail des agriculteurs est au contraire de plus en plus robotisé et se faisant de plus en plus critiqué. Ces critiques viennent à la fois des consommateurs et des écologistes. Les uns critiquent les agriculteurs pour la technologisation et l'industrialisation de leur profession, alors que les autres critiquent leur impact sur l'environnement et la biodiversité. Greenpeace affirme, par exemple, que l'agriculture est responsable de près d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais c'est quoi, au fait, l'agriculture? Selon le dictionnaire, l'agriculture est l'ensemble des activités développées par l'homme pour obtenir des produits végétaux et animaux utiles à son alimentation. Le nombre de bouches à nourrir dans le monde ayant doublé en 50 ans, on voit mal pourquoi et comment l'agriculture pourrait se passer de la technologie et des robots agricoles pour améliorer les productions et répondre à la demande mondiale. En même temps, on ne peut pas ignorer les dérives de l'agriculture moderne et des solutions doivent être trouvées aux problèmes des OGM, des pesticides, des élevages intensifs, de la maltraitance animale et des émissions de CO2. Le défi du futur sera donc de développer une agriculture toujours plus efficace tout en demeurant respectueuse de l'homme, des animaux et de l'environnement. À l'échelle locale, de nombreuses initiatives agricoles existent déjà qui visent à favoriser une agriculture plus propre et plus respectueuse de la nature tout en essayant d'apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les agriculteurs. Le problème des pesticides illustre bien le type de difficultés que rencontrent les agriculteurs aujourd'hui. Bien sûr, les pesticides sont utilisés pour protéger les récoltes des insectes et des maladies. Dans certains pays, la quasi-totalité de la population vit de l'agriculture, c'est notamment le cas en Afrique et en Asie, et se passer des pesticides reviendrait à risquer de perdre sa récolte. Pourtant, les pesticides ont un impact direct sur l'homme qui consomme les produits traités ainsi que sur les animaux et la biodiversité, de par la pollution des sols et de l'air. En Afrique, la peine est double puisque la population récupère souvent les bidons de pesticides pour les utiliser comme réservoirs d'eau potable. L'eau potable, mélangée aux résidus de pesticides présents dans les emballages, est ensuite consommée par les familles et les animaux domestiques, ce qui cause chaque année un grand nombre d'intoxications alimentaires et de morts. Panafrica Pesticide Action Network Lutte d'ailleurs en Afrique depuis 1996 pour informer les populations et agir pour le contrôle des pesticides. En 2019, un reportage diffusé sur la chaîne de télévision France 2 nous apprenait que des initiatives existaient comme celle de Gildas Zodomé au Bénin. Se souvenant que les graines de margousier étaient utilisées par ses parents pour éloigner les moustiques, Gildas Zodomé a eu l'idée d'exploiter le principe actif présent dans les graines de margousier pour créer un répulsif alternatif aux pesticides chimiques. Ce pesticide biologique aide tout autant à préserver l'homme que la nature, puisque les agriculteurs sont souvent eux mêmes les premières victimes des pesticides chimiques qu'ils respirent tout au long de la journée. Outre les ravages engendrés par les insectes et les maladies, l'agriculture est parfois rendue difficile par les conditions climatiques. Au Maghreb, par exemple, c'est-à-dire au Maroc, en Algérie et en Tunisie, l'augmentation de la sécheresse des sols rend le travail agricole toujours plus compliqué. Et aux conditions climatiques s'ajoute aussi le problème de la diminution des terres cultivables et celui de l'exode rural. De fait, dans les campagnes, les hommes partent souvent travailler dans les industries des grandes villes, alors que les femmes et les enfants restent dans les villages. C'est dans ce contexte que plusieurs initiatives agricoles ont vu le jour au Maghreb, souvent portées par des femmes. Ces initiatives permettent à la fois d'offrir du travail aux femmes et aux jeunes, et de relancer l'agriculture et l'économie locale. Elle s'appuie le plus souvent sur des techniques naturelles, en accord avec les principes du développement durable, respectant l'homme et la biodiversité. En Algérie, par exemple, la culture du figuier de Barbarie, une plante capable de pousser sur des terres arides, a permis de relancer l'économie de certains villages. De fait, tout est utilisable dans cette plante, puisque son fruit, la figue de Barbarie, se mange, et que l'huile extraite de la plante est utilisée en cosmétique. L'huile de figuier de barbarie coûte cher et est généralement exportée vers l'Europe et les pays du Golfe. Par ailleurs, un reportage France Inter, daté de juin 2017, nous apprenait qu'une femme, Sarah Toumi, se battait depuis 2012 pour développer les plantations d'acacia moringa dans son pays, la Tunisie. Cet arbre, capable de protéger les cultures par son feuillage et d'en limiter l'arrosage, permet aux petits agriculteurs de lutter contre la désertification des terres causée par le réchauffement climatique. L'acacia moringa possède par ailleurs des feuilles aux vertus très recherchées puisqu'elles sont revendues très chères en Europe pour la préparation de compléments alimentaires. En février 2019, un autre reportage France Inter nous rappelait enfin que faire pousser des céréales, des fruits et des légumes dans un climat hostile n'était pas la seule difficulté que pouvaient rencontrer les agriculteurs africains. Stocker et préserver les récoltes peut s'avérer tout aussi difficile comme à Madagascar où le stockage et la préservation du riz a longtemps été un casse-tête pour les petits producteurs. Le problème est simple. Si les producteurs malgaches les plus pauvres ne peuvent pas conserver leur riz, ils sont tous obligés de vendre leur récolte rapidement, en même temps et à bas prix, à cause de la concurrence. Ce faisant, ils n'ont plus rien à vendre le reste de l'année et plus rien à manger non plus. Ils sont eux-mêmes obligés d'acheter du riz à prix fort pour leur propre consommation. Pour solutionner ce problème, deux étudiants ingénieurs de lyon ont inventé un sac capable de préserver le riz pendant douze mois grâce à ce sac les producteurs peuvent conserver leur récolte et en répartir les ventes sur toute l'année ils peuvent également utiliser leur propre riz pour se nourrir tout au long de l'année et utiliser l'argent économisé pour financer l'éducation de leurs enfants en agriculture le secteur de l'élevage a également évolué Aujourd'hui, voir des vaches paître dans leur pâturage à la campagne, ou des chèvres et des moutons accompagnés de leurs bergers broutés dans les montagnes, tout ça est de plus en plus rare. De fait, l'élevage est de plus en plus intensif. Cette intensification de l'élevage est notamment symbolisée en France par la ferme des mille vaches, une exploitation industrielle de vaches laitières très critiquée et finalement fermée en 2021. En France, dans l'objectif de végétaliser les villes et d'atteindre la neutralité carbone, l'agriculture urbaine se développe et l'on trouve de plus en plus de potagers sur les toits des bâtiments, à l'instar de celui de l'Opéra Bastille, à Paris. À Paris, l'initiative des pariculteurs vise précisément à multiplier les projets agricoles dans la capitale française. L'écopâturage s'y développe également et les chèvres et les moutons sont de plus en plus nombreux en ville. En broutant l'herbe, ces animaux offrent une solution naturelle, écologique et efficace aux municipalités et leur évitent d'utiliser des machines polluantes et des désherbants chimiques. En plus de l'absence de pollution sonore et visuelle, les déjections des animaux enrichissent les sols et la présence des bêtes a des vertus sociales pour les riverains et pédagogiques pour les enfants. L'introduction des abeilles en ville est une autre initiative de plus en plus encouragée par les municipalités. Des ruches urbaines sont notamment placées sur les toits des immeubles et dans les parcs. Cela permet d'enrayer le déclin des abeilles, insectes pollinisateurs qui jouent un rôle central dans le développement de la biodiversité. Par ailleurs, il faut dire que le miel des villes offre des saveurs exceptionnelles de par la grande variété d'arbres et de fleurs cultivées en milieu urbain. En 2021, à Paris, on comptait près de 2000 ruches et plus de 120 millions d'abeilles. Ces quelques exemples montrent que de nombreuses initiatives agricoles existent déjà qui visent à favoriser une agriculture plus propre et plus respectueuse de la nature à l'échelle locale. Et puisque l'agriculture a offert de nombreuses expressions à la langue française, je vous propose d'essayer de deviner le sens des expressions suivantes. 1. Il met toujours la charrue avant les bœufs. Tic-tac, tic-tac. Ça veut dire qu'il fait les choses trop vite. Et dans le mauvais ordre 2 ça ne vaut pas une cacahuète tic tac tic tac ça veut dire que ça n'a aucune valeur on dit aussi que quelque chose ne vaut pas un clou 3 il a une tête de chou tic tac tic tac ça veut dire qu'il est laid qu'il est moche qu'il n'est pas beau on peut dire aussi qu'il a une sale tête. 4. Il a un cœur d'artichaut. Tic tac, tic tac. Ça veut dire qu'il est très sensible et qu'il tombe facilement amoureux. 5. Il n'a pas un radis. Tic tac, tic tac. Ça veut dire qu'il n'a pas d'argent et qu'il est pauvre. On peut dire aussi qu'il n'a pas un rond. 6. Il est haut comme trois pommes. Tic, tac, tic, tac. Ça veut dire qu'il n'est pas très grand, voire qu'il est tout petit. 7. Il a un pois chiche dans la tête. Tic, tac, tic, tac. Ça veut dire qu'il n'a pas de cerveau. En d'autres termes, qu'il est bête, idiot ou stupide. 8. Il raconte des salades. Tic, tac, tic, tac. Ça veut dire qu'il raconte des bêtises ou qu'il ment, c'est-à-dire qu'il ne dit pas la vérité. 9. Il mange des pissenlits par les racines. Tic, tac, tic, tac. Ça veut dire qu'il est mort et enterré. Autrement dit, qu'il n'est plus de ce monde. Alors, avant de manger des pissenlits par les racines, profitons de la vie et prenons soin de notre planète, car je ne pense pas raconter des salades en disant que l'avenir de l'homme ne dépend que de lui. De fait, j'aurais vraiment un poids chiche dans la tête si je pensais que l'homme pouvait réellement détruire la planète. Même si notre planète polluait, avait une tête de chou périmée, elle survivrait quoi qu'il en soit à l'humanité. C'est donc bien pour préserver l'humanité que nous devons protéger la biodiversité et prendre soin de notre planète. Si vous pensez que ce conseil ne vaut pas une cacahuète, loin de moi l'envie de vous prendre le chou. Lorsque les carottes seront cuites, vous ramènerez moins votre fraise avec vos idées à la noix. dans l'imaginaire collectif in the collective mind the collective imagination les agriculteurs farmers les agriculteurs sont probablement les travailleurs les plus proches de la nature autrement dit les plus respectueux de la nature pourtant l'image du travailleur manuel manual worker qui laboure ses champs et élève ses animaux à la force de ses bras et dépassé labourer means to plow to turn the soil tourner la terre les champs are the fields et élever means to raise to breed être dépassé is to be outdated so Pourtant, however, l'image du travailleur manuel qui laboure ses champs et élève ses animaux à la force de ses bras, meaning with hard work, est dépassée, is outdated. You know, that image that we've got of um, farmers who are like manual workers working hard in their fields, that image is outdated. Dans les pays occidentaux, in western countries, le travail des agriculteurs est au contraire de plus en plus robotisé. It's more and more robotized. Et ce faisant, and in doing so, de plus en plus critiqué. More and more criticized. Critiquer means to blame or to criticize. Ces critiques viennent à la fois des consommateurs et des écologistes. Les écologistes, the environmentalists. Les uns, donc euh, les consommateurs, les uns critiquent, hein, they criticize, they blame. Les agriculteurs, the farmers, hein, pour la technologisation. Et l'industrialisation de leur profession. Alors que, whereas, les autres, the others, uh, the environmentalists, hein, les écologistes, alors que les autres critiquent leur impact sur l'environnement et la biodiversité. Greenpeace affirme, par exemple, que l'agriculture est responsable de près d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'effet de serre, the greenhouse effect. Les gaz à effet de serre, greenhouse gas. Mais c'est quoi, au fait, l'agriculture? Here, au fait, means by the way. What is agriculture, by the way? Selon le dictionnaire, L'agriculture est l'ensemble des activités développées par l'homme pour obtenir des produits végétaux et animaux utiles à son alimentation. L'ensemble des activités, c'est-à-dire la totalité des activités. Un ensemble, uh, it's like a whole, the entirety of something. So, l'ensemble des activités, it's like the whole of the activities developed by men. So, all the activities developed by men pour obtenir, in order to get, des produits végétaux et animaux utiles, useful, à son alimentation, à l'alimentation de l'homme. Le nombre de bouches à nourrir dans le monde ayant doublé en 50 ans, le nombre de bouches à nourrir, euh, c'est-à-dire le nombre de personnes à nourrir. The number of mouths to feed or to be fed, yeah, uh, it's a way to say the number of people to feed dans le monde ayant doublé en 50 ans, within 50 years. On voit mal. It is hard to see. Pourquoi et comment l'agriculture pourrait se passer? Se passer de means to, to do without something. Comment l'agriculture pourrait se passer de la technologie et des robots agricoles pour améliorer les productions et répondre à la demande mondiale? En même temps, on ne peut pas ignorer les dérives, c'est-à-dire les problèmes de l'agriculture moderne. Une dérive is like a slide or a drift. So, les dérives de l'agriculture moderne, modern agriculture drifts, et des solutions doivent être trouvées au problème des OGM des pesticides, des élevages intensifs, de la maltraitance animale et des émissions de CO2. So, les OGM en GMO, Genetically Modified Organisms, les organismes génétiquement modifiés, les OGM. Les pesticides, pesticides, les élevages intensifs, intensive farming, et la maltraitance animale refers to the mistreatment or the abuse of animals. Le défi du futur, un défi is a challenge. Le défi du futur sera donc de développer une agriculture toujours plus efficace Always more efficient, always better. Tout en demeurant, respectueuse de l'homme, des animaux et de l'environnement. So that's like while remaining at the same time. Tout en demeurant. Tout en plus a present participle. That means while doing something at the same time. Tout en demeurant, tout en restant while remaining respectueuse de l'homme, des animaux et de l'environnement. À l'échelle locale. Here, une échelle is not a ladder, it's a scale. So, on a local scale. In French, we say on the local scale. À l'échelle locale, de nombreuses initiatives agricoles. Many farming initiatives. Existent déjà qui vise à, that aim at, on that are aiming at, favoriser, c'est-à-dire encourager, une agriculture plus propre et plus respectueuse de la nature, tout en essayant, while trying to, tout en essayant d'apporter des réponses, c'est-à-dire des solutions. While trying to bring answers or solutions aux difficultés rencontrées par les agriculteurs. To the difficulties met by farmers. So I'm just repeating this sentence. À l'échelle locale, de nombreuses initiatives agricoles existent déjà qui vise à favoriser une agriculture plus propre et plus respectueuse de la nature, tout en essayant d'apporter des réponses aux difficultés rencontrées par les agriculteurs. Le problème des pesticides illustre bien le type de difficultés que rencontrent les agriculteurs aujourd'hui. Bien sûr, les pesticides sont utilisés pour protéger les récoltes, the harvest. Protéger les récoltes des insectes et des maladies. Dans certains pays, la quasi-totalité de la population vit de l'agriculture. Vivre de quelque chose, literally, it's to live from something. It means to, to make a living by doing something. So, in some countries, la quasi-totalité de la population vit de l'agriculture. C'est notamment le cas, it is especially the case, en Afrique et en Asie. Et se passer des pesticides, like to do without pesticides, or to stop using pesticides, Reviendrait à risquer de perdre sa récolte. That would be like uh, taking the risk of losing your harvest. Prendre le risque de faire quelque chose is to run the risk of doing something. Pourtant, les pesticides ont un impact direct sur l'homme qui consomme les produits traités, ainsi que, like and, as well as, ainsi que, sur les animaux et la biodiversité, de par la pollution des sols et de l'air. De par means due to, because of. So pesticides have a direct impact on men, as well as animals and the biodiversity, due to the pollution of the air and the soil. Les pesticides ont un impact direct sur l'homme, qui consomme les produits traités, ainsi que sur les animaux et la biodiversité, de part, à cause de la pollution des sols et de l'air. Le sol can be the ground, the earth or the soil. En Afrique, la peine est double. Here, la peine means uh, the sentence or the punishment. La peine est double. There is like a double sentence, a double punishment. Puisque, since for because, puisque la population récupère souvent les bidons de pesticides pour les utiliser comme réservoir d'eau potable. Récupérer means to collect. Les bidons de pesticides. Un bidon is a can, a container, a tin. Un bidon de pesticides. L'eau potable is drinking water or drinkable water. Et un réservoir d'eau potable. That's like a drinkable water tank. L'eau potable mélangée mixed with mélangé aux résidus de pesticides, pesticides présents dans les emballages, est ensuite consommé par les familles et les animaux domestiques, ce qui cause chaque année un grand nombre d'intoxications alimentaires et de morts. L'intoxication alimentaire is food poisoning une mort a death. So, l'eau potable mélangée aux résidus de pesticides présents dans les emballages, um, pesticides residue existing or present in the packaging, est ensuite consommée par les familles et les animaux domestiques, ce qui cause what is causing or which is causing chaque année, every year, each year, un grand nombre d'intoxications alimentaires et de morts. Pan-Africa, Pan-P-A-N, meaning Pesticide Action Network, Pan-Africa lutte d'ailleurs en Afrique depuis 1996 pour informer, to inform, les populations. Et agir and act pour le contrôle des pesticides. Panafrica lutte d'ailleurs. They are actually fighting. En Afrique, in Africa, depuis 1996, since 1996, pour informer les populations et agir pour le contrôle des pesticides. En 2019, un reportage diffusé, broadcasted, diffusé sur la chaîne de télévision, The TV Channel, la chaîne de télévision France 2, nous apprenait que des initiatives existaient, comme celles, such as the one-off, hein, comme celle de Gildas Zodomé au Bénin. Se souvenant, hein, remembering, se souvenant que les graines de margousier étaient utilisées par ses parents pour éloigner les moustiques. To repel mosquitoes or to keep mosquitoes away. Le margousier is a tree. It's the neem tree. Les graines de margousier neem tree seeds. Une graine is a seed. So, se souvenant que les graines de margousier étaient utilisées, they were used, par ses parents, by his parents, pour éloigner les moustiques, to keep mosquitoes away, Gildas Zodomé a eu l'idée d'exploiter, c'est-à-dire d'utiliser le principe actif présent dans les graines de margousier pour créer un répulsif alternatif aux pesticides chimiques. Le principe actif is the active principle or the active ingredient. Le principe actif présent dans les graines de margousier. So the one inside tree seeds. Pour créer, to create, un répulsif alternatif aux pesticides chimiques. A repellent that could be an alternative to chemical pesticides. Un répulsif alternatif aux pesticides chimiques. Ce pesticide biologique aide tout autant à préserver l'homme que la nature. Tout autant means just as much. So, ce pesticide biologique aide its helping. Tout autant à préserver l'homme que la nature. It means that it helps to preserve both men and the environment. Puisque les agriculteurs sont souvent, mm. they often are, eux-mêmes themselves, les premières victimes des pesticides chimiques qu'ils respirent tout au long de la journée. Mm. They are themselves the first victims of those chemical pesticides that they inhale, tout au long de la journée, all day long, or throughout the day. Outre, besides, apart from, outre les ravages engendrés, c'est-à-dire créés, produits par les insectes et les maladies, outre les ravages engendrée par les insectes et les maladies, l'agriculture est parfois rendue difficile. It is made difficult par les conditions climatiques. Au Maghreb par exemple, c'est-à-dire au Maroc, en Algérie et en Tunisie, l'augmentation the increase l'augmentation de la sécheresse des sols. That's the problem of dry soils. La sécheresse des sols rend le travail agricole toujours plus compliqué. It's making farmers work always more complicated. Et aux conditions climatiques s'ajoutent or added s'ajoute aussi le problème de la diminution the decrease hein, la diminution des terres cultivables et celui de l'exode rural de fait as a matter of fact dans les campagnes les hommes partent souvent travailler dans les industries des grandes villes alors que les femmes et les enfants Reste dans les villages. So be careful with the verb partir, to say to leave, to depart. Yeah? In French, we don't say départir, to say to depart. No, we just say partir. Partir means to leave, to depart. Les hommes partent. Souvent travailler dans les industries des grandes villes. C'est dans ce contexte que... Plusieurs initiatives agricoles ont vu le jour, c'est-à-dire sont apparues, se sont développées au Maghreb, souvent portées par des femmes, c'est-à-dire souvent réalisées par des femmes. Ces initiatives permettent, à la fois, hmm, at the same time, à la fois, d'offrir du travail aux femmes et aux jeunes et de relancer, to give a new start, relancer l'agriculture et l'économie locale. Elles, c'est-à-dire les initiatives, elles s'appuient le plus souvent sur des techniques naturelles. S'appuyer sur, c'est-à-dire être basé sur. Ces initiatives sont basées sur des techniques naturelles. En accord avec les principes du développement durable. En accord avec, that means like in agreement with or in harmony with something. Les principes du développement durable, the principles of sustainable development. You know? In French, le développement durable is sustainable development. Respectant l'homme et la biodiversité. Donc, elles, les initiatives, elles s'appuient le plus souvent sur des techniques naturelles en accord avec les principes du développement durable, respectant l'homme et la biodiversité. En Algérie, par exemple, la culture du figuier de Barbarie, Barbary fig, une plante capable de pousser sur des terres arides, a permis de relancer l'économie de certains villages. Relancer Literally, that means to relaunch, to launch one more time, to launch again. You know? It means like to restart, to give a new start to something. De fait, tout est utilisable, like everything can be used. Tout est utilisable dans cette plante puisque son fruit, la figue de barbarie, se mange. It is edible. et que l'huile extraite de la plante est utilisée en cosmétique l'huile de figuier de barbarie coûte cher et est, and is, et est généralement exportée vers l'europe et les pays du golfe the gulf countries par ailleurs besides un reportage France Inter daté de juin 2017 nous apprenait qu'une femme, Sarah Toumi, se battait depuis 2012, yeah, she was fighting since 2012, pour développer les plantations d'acacia moringa dans son pays, la Tunisie. Cet arbre capable de protéger les cultures par son feuillage. Le feuillage, the foliage. Et d'en limiter l'arrosage. L'arrosage is the watering. In this sentence, the pronoun en refers back to les cultures. Cet arbre capable de protéger les cultures par son feuillage. Et d'en limiter l'arrosage. You know, that tree able to protect the cultures thanks to its foliage and to limit the watering of the cultures. You know, et d'en limiter l'arrosage permet aux petits agriculteurs de lutter contre la désertification des terres causée par le réchauffement climatique (global warming). Le réchauffement climatique. L'acacia moringa possède, par ailleurs, des feuilles aux vertus très recherchées. Les vertus d'une plante, c'est comme les propriétés d'une plante. Yeah. It's properties. The properties of a plant. Donc, l'acacia moringa possède, par ailleurs, des feuilles aux vertus très recherchées. It means that that tree has leaves, des feuilles aux vertus très recherchées, leaves which properties are sought after. Like everybody is interested in the properties of those leaves, des feuilles aux vertus très recherchées. C'est comme des feuilles qui ont des vertus très recherchées, puisqu'elles sont revendues très chères en Europe pour la préparation de compléments alimentaires food supplement les compléments alimentaires en février 2019 un autre reportage France Inter nous rappelait enfin que faire pousser des céréales to grow cereals on growing cereals des fruits et des légumes dans un climat hostile, in a hostile climate, n'était pas la seule difficulté que pouvaient rencontrer les agriculteurs africains. Stocker, to store, stocker et préserver les récoltes, so storing and preserving the harvest, peut s'avérer, peut être. Tout aussi difficile. Just as difficult. Comme à Madagascar, où le stockage, storage, hein, le stockage et la préservation du riz a longtemps été un casse-tête, c'est-à-dire un problème, pour les petits producteurs. Small producers. Le problème est simple. Si les producteurs malgaches les plus pauvres ne peuvent pas conserver leur riz, ils sont tous obligés de vendre leur récolte rapidement, en même temps et à bas prix, à cause de la concurrence. Because of competition, la concurrence. Ce faisant, in doing so, ils n'ont plus rien à vendre le reste de l'année. Like they don't have anything left to sell for the rest of the year. Et plus rien à manger. And nothing to eat. Et plus rien à manger non plus. And not anything to eat either. Ils sont eux-mêmes obligés d'acheter du riz à prix fort. À prix fort, au prix fort, It means at full price. Pour leur propre consommation, for their own consumption. Pour solutionner ce problème, in order to solve this problem, solutionner is to solve a problem. Deux étudiants ingénieurs de Lyon ont inventé un sac capable de préserver le riz pendant douze mois. For 12 months. Grâce à ce sac, les producteurs peuvent conserver leur récolte et en répartir les ventes. En répartir les ventes de leur récolte. En répartir les ventes. Sur toute l'année. Répartir means to spread. They can spread the sales over the whole year. Et utiliser l'argent économisé, and they can use the money hein, l'argent économisé, the money they saved, pour financer l'éducation de leurs enfants. En agriculture, le secteur de l'élevage a également évolué. L'élevage refers to livestock farming. L'élevage a également évolué. Livestock farming also developed or changed. Aujourd'hui, voir des vaches paître dans leur pâturages à la campagne, ou des chèvres et des moutons accompagnés de leurs bergers broutés dans les montagnes, tout ça est de plus en plus rare. Seul so, un pâturage. is a pasture land. It's a land with much grass for cows to eat. The action of eating grass for cows is pêtre in French. Yeah? It's like graze in English. Brouter is a synonym of pêtre. It means to eat the grass for an animal. Brouter pêtre. Un berger is a shepherd. So, Aujourd'hui, voir des vaches paître, c'est-à-dire manger de l'herbe, dans leur pâturage, à la campagne, ou des chèvres goats et des moutons sheeps accompagnés de leurs bergers, broutés, donc manger de l'herbe dans les montagnes. Tout ça, all that, hein, est de plus en plus rare. De fait, l'élevage est de plus en plus intensif. Cette intensification de l'élevage est notamment symbolisée en France par la ferme des mille vaches. Une exploitation industrielle de vaches laitières, très critiquée, est finalement fermée en 2021. Une vache laitière is a dairy cow or a milk cow, une vache qui produit du lait. Une exploitation industrielle is like an industrial farm in this context, une exploitation industrielle de vaches laitières. En France, dans l'objectif de végétaliser les villes, et d'atteindre la neutralité carbone. Végétaliser une ville is to make it green, to add trees and plants everywhere. Végétaliser. La neutralité carbone, carbon neutrality. Attendre is to reach. Atteindre la neutralité carbone, that's like to become carbon neutral. L'agriculture urbaine, L'agriculture agriculture urbaine se développe et l'on trouve de plus en plus de potagers sur les toits des bâtiments. Un potager is a vegetable garden. You know, so more and more vegetable gardens can be found on the roofs of buildings. À l'instar de celui de l'Opéra Bastille à Paris. À l'instar de is another way to say like, such as, or in the manner of, following the example of, à l'instar de celui de l'opéra Bastille à Paris, so in the manner of the one of the Bastille Opera in Paris. À Paris, l'initiative des pariculteurs vise précisément à It's precisely aiming at, il vise précisément à multiplier, c'est-à-dire augmenter, les projets agricoles dans la capitale française. L'éco-pâturage s'y développe également, et les chèvres et les moutons sont de plus en plus nombreux en ville. En broutant de l'herbe, grazing on grass, ces animaux offrent une solution naturelle, écologique et efficace aux municipalités, to the cities or the towns, et leur évite, and help them to avoid, et leur évite d'utiliser des machines polluantes et des désherbants chimiques. Un désherbant is a weed killer, chimique is an adjective here. It means with chemicals. So a chemical weed killer. Un désherbant chimique. En plus de l'absence de pollution sonore et visuelle, la pollution sonore is noise pollution. La pollution visuelle, visual pollution. En plus de l'absence de pollution sonore et visuelle, les déjections des animaux, on peut dire les excréments des animaux, enrichissent les sols. Enrichir les sols is to enrich soils. Et la présence des bêtes, des animaux, a des vertus sociales pour les riverains et pédagogiques pour les enfants. Une vertu sociale, une vertu pédagogique could be understood in English as a social value and an educational value. Un riverain is a local, like someone living in the neighborhood. L'introduction des abeilles en ville, the introduction of bees in the city, est une autre initiative de plus en plus encouragée par les municipalités. Hmm? More and more supported by cities, towns. Hmm? Une municipalité is a more sophisticated term to say a city, a town. Des ruches, beehives. Des ruches urbaines sont notamment placées sur les toits des immeubles et dans les parcs. Cela permet d'enrayer c'est-à-dire de stopper, d'arrêter. Le déclin des abeilles. Le déclin, c'est-à-dire la disparition des abeilles. Insectes pollinisateurs qui jouent un rôle central dans le développement de la biodiversité. Pollinisateur means pollinating. Le verbe polliniser means to pollinate. Par ailleurs, il faut dire que le miel des villes, le miel honey, hein, le miel des villes offre des saveurs exceptionnelles de par, ça veut dire grâce à, hein, la grande variété d'arbres et de fleurs cultivées en milieu urbain. Un milieu urbain means an urban environment. En 2021, à Paris, on comptait près de 2000 ruches, 2000 hives, beehives, et plus de 120 millions d'abeilles. Ces quelques exemples montrent que de nombreuses initiatives agricoles existent déjà qui visent à favoriser, encourager, une agriculture plus propre et plus respectueuse de la nature l'échelle locale. Et puisque l'agriculture a offert de nombreuses expressions à la langue française, je vous propose d'essayer de deviner, to guess, deviner le sens des expressions suivantes, the meaning of the following expressions. 1. Il met toujours la charrue avant les bœufs. Literally, he always puts the plow before the oxen. Tic-tac, tic-tac. Ça veut dire qu'il fait les choses trop vite et dans le mauvais ordre. Deux. Ça ne vaut pas une cacahuète. Literally, it's not worth a peanut. Tic-tac, tic-tac. Ça veut dire que ça n'a aucune valeur. It has no value. On dit aussi que quelque chose ne vaut pas un clou. Like it's not worth a nail. 3. Il a une tête de chou. Literally, he has the head of a cabbage. Tic tac, tic tac. Ça veut dire qu'il est laid. Qu'il est moche. Ugly qu'il n'est pas beau. On peut dire aussi qu'il a une sale tête. Like a dirty head. 4. Il a un cœur d'artichaut. Like he has the heart of an artichoke. Tic tac, tic tac. Ça veut dire qu'il est très sensible. Very sensitive. Et qu'il tombe facilement amoureux. 5. Il n'a pas un radis. Literally, he doesn't have a radish. Tic tac tic tac. Ça veut dire qu'il n'a pas d'argent et qu'il est pauvre. On peut dire aussi qu'il n'a pas un rond. Un rond is a circle or a ring. Yeah, it refers to the shape of a coin. So, il n'a pas un rond is like he doesn't have a penny. 6. Il est haut comme trois pommes. Literally, he's tall like three apples. Tic, tac, tic, tac. Ça veut dire qu'il n'est pas très grand, voire qu'il est tout petit. Yeah, he's very short. 7. Il a un pois chiche dans la tête. Literally, he has a chickpea in the head. Tic, tac, tic, tac. Ça veut dire qu'il n'a pas de cerveau. Yeah, he doesn't have a brain. En d'autres termes, qu'il est bête, idiot ou stupide. 8. Il raconte des salades. Literally, he's talking salads. tic, tac, tic, tac. Ça veut dire qu'il raconte des bêtises. Yeah, he's talking rubbish ou qu'il ment. He's lying. C'est-à-dire qu'il ne dit pas la vérité. 9 Il mange des pissenlits par les racines. Literally, he's eating dandelions from the roots. Tic tac tic tac. Ça veut dire qu'il est mort et enterré. Dead and buried. Autrement dit, in other words, qu'il n'est plus de ce monde. Ne plus être de ce monde means to have passed on. Alors, avant de manger des pissenlits par les racines, profitons de la vie et prenons soin, let's take care, prenons soin de notre planète, car, je ne pense pas raconter des salades en disant que l'avenir de l'homme, hein, le futur de l'homme, ne dépend que de lui. De fait, j'aurais vraiment un poids chiche dans la tête si je pensais que l'homme pouvait réellement détruire la planète. Même si notre planète polluée avait une tête de chou périmée. Périmée means expired, out of date. Elle survivrait. It would survive. Quoi qu'il en soit à l'humanité. Quoi qu'il en soit means be that as it may. C'est donc bien pour préserver l'humanité que nous devons protéger la biodiversité et prendre soin de notre planète. Si vous pensez que ce conseil ne vaut pas une cacahuète, ne pas valoir une cacahuète, literally not to be worth well a peanut, loin de moi l'envie de vous prendre le chou. Prendre le chou à quelqu'un ou prendre la tête à quelqu'un, it means to annoy someone. Lorsque les carottes seront cuites, when carrots are cooked that means when it will be too late vous ramènerez moins votre fraise avec vos idées à la noix ramener sa fraise is to bring your own in and when you say that something is à la noix it means it is worthless or crappy <laughs> Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcripts and find engaging language activities for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.